Eh ben, oh coucou. Voilà, j'avais l'impression de voir flou et qu'on me voyait flou. C'est mon focus des fois qui fait un peu des siennes. Je pense que quand il y a trop de souffrance, il dit hop, 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 ça va pas du tout. Du coup, deuxième partie. Eh, c'est mieux qu'une série Netflix, hein. Vous avez plein d'épisodes. Épisode 1, il y avait un peu de suspense. Épisode 2, je vous ai arrêté sur un moment plein de suspense. On allait travailler les cuisses. On y va, les cuisses. Allez, squat large. Je dois intégrer vers l'extérieur, enrouler les épaules, creuser le ventre. Donc là, c'est des haltères entre les genoux, une ou deux. En deux temps, on plie, fesses en arrière. En deux temps, on tend. Lorsque vous êtes chaud, tendu, vous contractez les fessiers au maximum. Et flexion, extension. Ok, on descend 1, on remonte 3. On bloque. 3, 2, 1. On bloque. 3, 2, 1. Encore. Bloqué. 3, 2, 1. Bloqué. 3, 2, 1, encore 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on va bloquer en bas, partie inférieure, milieu, bas, allez, gardez la contraction dans les quadriceps, attention à ne pas vous pencher en avant, 10, 9, 8, 7, 6, on y est presque, 5, 4, 3, 2, 1, on bloque en bas et on reste 4, 3, 2, 1 et vous redressez. Ouh, ok, super. Deuxième partie, on va se placer de la même manière, les pieds plus larges que le bassin. Si vous avez une haltère, je vous demande de la mettre à la poitrine. Si vous en avez deux, vous allez poser les haltères sur les épaules, ok, et vous les tenez. Squat large, single, on plie, on tend. Repoussez le sol avec les talons, poussez les genoux vers l'extérieur. On descend 1, on remonte 3. Bloqué. 3, 2, 1. Bloqué. 3, 2, 1. Et on bloque. Et lentement redresse. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va bloquer tous ensemble en bas, les demi. Bas. Milieu. Allez, on reste en partie inférieure. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous restez là. Ah ! Et on relâche. Ouh ! Ok. Dernière séquence. On va faire la même chose. Mais en simultané de tendre les jambes, on va monter les bras au plafond. Squat and press. Je l'ai fait dans une de mes anciennes séquences. Ça date un petit peu. Squat toujours large. Si vous avez une haltère à la poitrine, vous allez monter les bras au plafond. Si vous avez deux haltères, une dans chaque main, nous sommes à la poitrine et on descend, on tend. On inspire, on expire. Quand vous êtes bras jambes tendus, c'est les fessiers au maximum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous allons rester en bas. Gardez les poids à la poitrine. Demi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On y est presque. 3, 2, 1. Vous bloquez en bas. 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Aïe, 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 aïe. Ok. On reprend le haut du corps. Épaules et dos. Je fais un petit peu les jambes. Parfait. Pieds un peu plus large que le bassin. Pliez les jambes. Les fesses sont en arrière. Penchez-vous en avant. Vos paumes de main se font face. On tire le coude droit au plafond. Mon coude forme un angle à 90 degrés. On tend. Gauche, on tend. Vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à rester là. Si ça va plutôt pas mal, on alterne. Droite, gauche. Attention, sans pivoter. Poitrine et épaules face au sol. Allez, on y est. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on y est presque. 3, 2, 1. Ok, uniquement le bras droit. Le bras gauche ne bouge pas. Tout petit. Allez, tirez le coude au plafond. Le coude prend toujours un angle à 90 degrés. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change à gauche. Allez. Coude à angle de 90 degrés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous vous redressez. Ok. Les paumes de main sont en direction de vos
jambes cuisses. On plie. On ramène les coudes autour des épaules, les poings au niveau de la poitrine. On plie, on tend. Expirez, inspirez. Vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous pouvez alterner droite, gauche ou bien faire sans charge. Vous vous sentez à l'aise, on rajoute 3 petits. 3, 2, 1, je redescends. 3, 2, 1, je descends. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On a 10 secondes en single. Aïe, aïe, aïe. Allez, grâce à ces mouvements, vous êtes en train de renforcer les épaules ainsi que le dos. Et ça vous permet de maintenir une bonne position, une bonne posture. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ce genre de mouvement, c'est pas pour que vous ressembliez à des haltérophiles. Ça vous permet d'éviter d'avoir les épaules comme ça, de vous tenir comme ça. Ça vous permet d'avoir une belle posture, de vous tenir droit et bien évidemment d'éviter d'avoir des soucis au niveau des épaules et du dos. C'est pas négligeable. Ok, deuxième phase. Même posture, pied plus large que le bassin. Fesses en arrière. On va alterner gauche, droite, sans twister les épaules. Poitrine, épaules face au sol. On est parti pour 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uniquement le bras gauche. Et tout petit, on tire, on tire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uniquement le bras droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Paume de main en direction des cuisses. On plie, on tend. Allez, montez les coudes à hauteur d'épaule. Ramenez les poids à votre poitrine. Si ça ne va pas, vous restez là. Sinon, vous rajoutez les trois petits. 3, 2, 1. On descend. 3, 2, 1. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 10 petits. Allez, montez les coudes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ouah, ça picote, hein? Ok, la suite des festivités, je vous explique. Nous passons au sol. Fessiers ischio. Vous avez toujours besoin de vos haltères, potentiellement. Par contre, vous allez avoir besoin du tapis hip thrust. Monte le bassin, ok? Allez, on y va. Hop là. Donc, nous allons nous placer dos à plat sur le sol. N'hésitez pas à avoir un coup, c'est ce que je vais faire. Là. Un petit coup de pâté et ça repart. Du coup, nous nous plaçons dos à plat sur les tapis. Vous pouvez prendre une halter ou deux haltères. Wouh! Allez, on y va. Si vous prenez deux haltères, c'est une charge sur chaque cuisse. Attention! Jamais, never, charge sur le ventre. C'est interdit. Je n'interdis rien du tout en ce qui concerne la structure du cou. Vous appelez quand vous voulez, vous modulez vos exercices. Par contre, ce qui est interdit, c'est de se blesser et de se faire mal. De ce fait, si ça ne va pas, on enlève les haltères, on ne les place jamais sur le ventre. Il y a des organes vitaux en dessous qui peuvent vous servir. Et puis, ça ne sert plus à rien. Vous n'allez pas renforcer les fessiers en plaçant les charges sur le ventre. Ok ? On va se mettre dos à plat sur le sol. Pieds largeur de bassin. Vous allez tendre un drap, vérifier que vous pouvez au moins coller le talon. Pas agripper les orteils. Juste qu'on peut toucher le talon. Tenez les charges parce qu'on va monter le bassin. Deux temps. Deux temps, je monte les fesses, j'appuie les fesses avec les genoux. Et deux temps, je redescends. On expire. Et on inspire. Contractez les fessiers au maximum. Si ça ne va pas, vous restez là. Sinon, on monte un temps. On redescend trois temps. On lève. 3, 2, 1. On lève. 3, 2, 1. Allez, go, go, go. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en tout petit. Allez, pousse les passes au maximum. Gardez la contraction dans les fessiers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Restez en haut. Gardez les fessiers contractés. 10 petits. 10, 9, 8.
on pose. Gauche, on pose. Ça, c'est l'option. Vous vous sentez à l'aise? On accélère. Vous sentez les gars à l'aise? Tendez les jambes. Et gauche, droite, écrasez de chaque côté du ventre. Ok, si ça va, allez, on accélère. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, on y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Petit à côté, poussez le coude à l'extérieur du genou. Écrasez le ventre. 5, 4, 3, 2, changez. Ok, messieurs, dames, sur l'option qui vous convient le mieux, on reprend droite-gauche. Allez, poussez les orteils dans le sol, vous tendez les jambes avec moi et poussez les orteils loin devant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, il est temps de reprendre les charges ou non. Même position au niveau du sol, pliage en deux bassins. Je peux atteindre mon talon. Deux temps. De temps je monte, je serre les fesses. Et de temps je descends. Expirez. Inspirez. Gardez la contraction dans les fessiers. Ok, si ça ne va pas, vous restez là. Sinon, on monte 1, descend 3. Bloque. 3, 2, 1. Et on bloque. 3, 2, 1. Allez, 10 secondes sur ce mouvement. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut. C'est les fessiers petit, petit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez en haut. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Posez les haltères, on reviendra sur la fessière après. La sangle abdominale, on va reprendre comme tout à l'heure. Droite et gauche. Vous vous sentez à l'aise? Tendez les jambes. Quelle que soit l'option, combinaison. Vous me faites deux petits à droite, deux petits à gauche. Et 4 singles. 4, 3, 2, 1. On y va. 2 petits à droite. 2 petits à gauche. Et 4 singles. Encore. 2, 2, et 4. 3, 2, 1. Encore. Allez, on reste ensemble. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, petit d'un côté. Allez, on pousse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Changez. 5, 4, 3, 2, 1. On prend la combinaison. 2, 2, et 4. On a bientôt fini la séance. Ne lâchez pas maintenant, messieurs dames. 2, 2, et 4. 3, 2, 1. Ne bougez pas le bassin, mettez des gros coups de coude droit à gauche.
allonger les bras. Parfait. Ouvrez la poitrine, entrelacez les doigts, serrez les omoplates dans le dos. Ok, tendez un bras devant, poignée, coude, épaule sur un même axe. Tirez les doigts vers vous. Changez. Une main entre les omoplates. Attrapez le coude, tirez vers vous. Changez. N'hésitez pas à vous appuyer si vous souhaitez pour la suite. Sinon, pas tendu, on attrape le pied, on ramène à la fesse. Changez. Revenez au centre, prenez une grande inspiration. Allongez les bras au plafond, agrandissez-vous. Expirez, relâchez, enroulez les épaules. Et changez. Et messieurs, dames, bravo à vous! J'espère que vous avez passé une belle séance. Bon, bah désolé, hein, je vous ai dit que c'est un peu comme Netflix ici, hein, il y a des épisodes. Du coup, j'espère que vous avez fait les deux, hein, le premier et le deuxième. À venir incessamment sous peu, hein, une séance axée sur le travail en isométrie. Le travail en isométrie, c'est quand on va garder la contraction musculaire et qu'on garde la position. Par exemple, la position de la chaise, comme ça, c'est une position en isométrie. On adore. Je compte faire une spéciale avec ça. Vous allez voir, c'est un autre travail, c'est différent. Ça fait un petit peu mal, mais bon, le sport fait mal. La vie fait mal, vous le savez très bien. Du coup, je vous dis à bientôt pour d'autres séances. N'hésitez pas à les refaire, à les croiser, faire des spéciales abdos, spéciales cardio abdos, tout ça, tout ça. Hein, on n'en a jamais trop du sport de toute façon. En tous les cas, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.